Moi, je m'appelle Jean-Bernard Host, je suis musicien avec la Caravane Electro. François Marzaski, je suis un multicarte du spectacle vivant. Vous êtes au studio, Studio K dans l'enceinte des Arcades. Je suis Benjamin et c'est moi qui prends en charge une partie des groupes Tour de Chauve. Alors moi, c'est Sim Dies 6 du coup, c'est un projet solo, électropop, lillois. C'est la résidence par les deux premiers jours à travailler le son et la vidéo. Et puis là, on commence à travailler en fait les lumières avec Do qui, du coup, pour la première fois, se met derrière une console lumière et puis essaie de travailler ça. Quoi. Ouais, carrément, c'est des super conditions, mais mettre à disposition des musiciens, c'est vraiment bien. Quoi. Puis avoir 5 jours de résidence, c'est important aussi parce qu'on a bien le temps de tout poser et puis bien travailler ensemble. Donc, c'est bien. C'est vraiment chouette. Ouais. C'est un groupe amateur qui a besoin de se former au niveau de la scène. Qui, voilà, nous, on a tout fait selon le principe qu'on adore du do-it-yourself, c'est-à-dire que toutes nos dates, voilà, tout ce qu'on a fait pendant 4 ans, on l'a fait par nous-mêmes. Et c'est bien de temps en temps aussi de prendre les conseils de gens de l'extérieur, d'aller travailler dans des autres endroits. Donc la résidence au Nautilus à Comines, en l'occurrence pour Tour de Chauffe, c'était quelque chose qui nous intéressait, voilà, tout simplement, quoi. Pourquoi on a postulé et pourquoi on a été content d'être pris. À la fois scénique et à la fois sonore. Parce que scénique aussi, c'était aussi de réfléchir plan de scène, disposition. Voilà, c'était pas le but, c'était pas de faire une mise en scène à la Pink Floyd et de dire ah ouais, tiens, à ce moment-là, il y a un dragon qui va sortir d'un mur, machin. Ça, c'était de rester simple, hein, mais de travailler cette simplicité en fait. Que ce soit pas kitsch ou cheap, mais que ça reste cohérent en fait. Donc nous sommes le groupe RFA. R. F. A. On a pu bénéficier d'une semaine de résidence qui était... Bienvenue. Surtout travailler sur la lumière. Ouais. Travailler sur la lumière et le son. On a pas... Ouais, le son aussi, le mais son... Précisément, quoi. Pour chaque instrument, comme les instruments sont un peu particuliers, on a pris le temps d'aller plus loin et de créer une ambiance en lumière qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était juste... Voilà, on éteint, on allume. Au niveau aussi accompagnement sur le développement du groupe, sur le management, sur tout ça, sur ce qu'il y a autour en fait de la musique aussi. Avant de travailler la forme, il faut vraiment que le fond il soit d'une pureté totale. Il faut d'abord travailler ce fond. Donc, on travaille ensemble. Et je travaille aussi à chaque fois sur ces formations. Je suis vachement demandeur, en fait, parce qu'à chaque fois, je me remets tous les fondamentaux à plat, même pour moi, sur... c'est quoi mes moteurs et les choses auxquelles je dois donner vraiment de l'importance, les prendre très au sérieux pour offrir quelque chose de le plus honnête possible aux gens. Quels sont mes outils et qu'est-ce que je peux utiliser pour que ce soit le plus intéressant possible, pour qu'à la fin, le public ait raison forcément en voyant ce qu'il voit sur scène. Studio qui nous a permis après maintenant pour préparer le deuxième album, donc ce qui donne un bon coup de pouce quand sûr. Même mmh. Et plus derrière la com avec les deux titres qui vont être diffusés avec la compile, c'est vraiment pas mal ça. Les groupes décident avant la manière dont ils veulent enregistrer, s'ils veulent faire tout séparément, enregistrer vraiment la batterie, après la basse, après la guitare, ou alors s'ils veulent jouer en live, en semi-live, hein. Déjà on s'adapte par rapport à ça. Conditions professionnelles, avec des qualités de prise de son qu'on n'a pas connues en home studio, parce qu'on n'avait pas ces vraies conditions studio, des vrais bons micros, une vraie cabine, etc. Quoi. Là on sent vraiment, rien qu'au niveau des prises, sans avoir même commencé le mix, qu'il y a une qualité différente. Quoi. En home studio, on a déjà la compile Tour de Chauffe qui réunit tous les 18 groupes,
ont participé à l'édition 2008. Et puis donc il y a deux morceaux par groupe. Donc les deux morceaux qu'on enregistre ici au Studio K seront sur la compilation. Et puis oui, hein, ça peut être un outil promotionnel intéressant, dans le sens où je pense qu'on va avoir un certain nombre, qu'elle sera diffusée par nous et par les autres groupes. Donc dans tous les cas, on se retrouvera dans les mains de programmateurs. Et, voilà, ouais, ce sera peut-être plus facile pour jouer un peu partout. Un peu déçu, on a mieux joué, j'ai mieux joué en, pendant la résidence, mais tant pis. Le public est resté, on avait peur un peu. Parce que bon, des fois ça pêchait un peu et là on a bien pu profiter de l'espace. On a mis la batterie, on a surélevé la batterie, comme ça ils pouvaient faire des trucs un peu plus sympas, ils pouvaient monter derrière moi, ils pouvaient faire plein de choses.